Esengo mingi ya kozala lisusu na bino lelo na yambeli bino mwana mboka Cédric Moudiantou ça fait un bail mais talakaka il fallait se familiariser na poste na ya sika lotikela ke mwa temps mais lelo tolobite makambo ezali ebele football koto yo makambo koto stade koto constitution koto yo tolukana nuye aya kolobela biso puisque ya zali moto alobaka en toute objectivité makambo ya mboka na biso. Bobosa na te ko s'abonner massivement dans la Lyon TV officielle. Merci na Perfect TV chaîne partenaire. Cédric Moudiantou et Sengomingi, maman Paulette Kimoto. Ça fait un sacré bout de temps. To solo lité. En fait, parce qu'il y a c'est comme solo mais toujours occasion au solo la tenengo le bien on a écouté plusieurs responsabilités. Mais en dépit avec responsabilité na biso il y a une qui est plus grande déjà Mboka. Alors puisqu'ici on parle état et sans état d'âme. Je me suis dit quand même que tous à la Nalina et merci pour m'avoir associé aux échanges que nous aurons tout à l'heure avec le peuple congolais. Merci Cédric. Tu as dit que stade pour aller. Tu as dit que le stade est un stade. Mais je suis un stade pour aller. Tu as dit que le stade est un stade. Tu as dit que le stade est un stade. Tu as dit que le stade est un stade. Tu as dit que le stade est un stade. Tu as dit que le stade est un stade. Une chose est vraie. Ministre Réunion Sosokaye, c'est vrai. Aébike n'a pas attribution naïe, ils ont notamment vision naïe sur le plan, il y a la discipline Réunion sur le sport, mais également sur le plan de l'infrastructure sportive. Donc, Moutounion sont comme dirigeant Azouya, à Tché équipe Moko la direction, ils ont pour naïe, l'entendement naïe, c'est une réforme. Azouya, c'est la productivité à comité, il y a groupe de gestion, par rapport à la gestion et à l'infrastructure sportive, bien sûr. Et bien entendu, il y a une discipline par rapport à la fédération, à la colonne, comme le président des bases gérées. Mais pour le cas du stade des martyrs, une chose est vraie, Tango Toye, sous l'impulsion bien entendu à la ministre des Sports et Loisirs, que je salue, Maître Didier Boudimbou, il a fait une sélection. On regarde d'abord, il y a un profil où il y a un qui est capable, nous ne sommes pas exceptionnels, mais Tango Toye a sélectionné la vision naïe. Ça veut dire qu'il y a tel et que ces gens peuvent évidemment apporter quelque chose dans Ndenge Yazo Zelela. Mais Koko Manabiso, nous avons trouvé que franchement, les stades étaient dans la rue. D'ailleurs, il vous souviendrez qu'il y avait beaucoup de menaces en termes à lever à homologation. Nous n'avons que deux stades homologués au Congo. C'est le stade des martyrs et le stade Kamalondo. Il y a tout puissant Mazembe. Alors, objectif principal, d'abord, ils aillent maintenir homologation. Or, homologation, ça par rapport à critérium, notamment à CAF. À CAF, il y en a besoin de maintenance et beaucoup d'autres choses. Donc la gestion du stade pose le problème. Et dès que nous sommes arrivés, nous nous sommes dit, restons focus na Yango. Tout travailler aujourd'hui, c'est vrai, je suis mal placé pour parler de ce qu'est le stade des martyrs aujourd'hui par le statut que j'ai. Mais et c'est Kobumba Maté, le stade des martyrs est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut aujourd'hui aller voir et témoigner ce qu'est l'image du stade aujourd'hui, qui ne souffre même pas. Aujourd'hui, la menace songolo et homologation. La Linga qui n'a profité de l'occasion pour nous féliciter tout le comité de gestion. Évidemment, chapeauté par l'AG d'Adou et També, Bissotosa, Lokola, coéquipier Naïe. Aujourd'hui, l'infrastructure stade Omnisport, stade des martyrs, pardon, complexe Omnisport, stade des martyrs, ESA, justement viable. C'est vrai, nous n'avons pas encore atteint le summum, mais le plus important, c'est qu'avancer, ESA, très très significative. Tokutaki, en même temps, par rapport à ma prédécesseur Naïe, Omoni Moutinho Sotangazoya, beaucoup plus dans la culture congolaise. Au lieu de que c'est une infrastructure publique et c'est à l'État, et puis il y a des normes, ou il y a des normes intérieures, mais il y a des normes fixées par une instance internationale. Mais tout le monde est tous soyez naïe, il y a un contrat, il y a une station-service, il y a un supermarché, c'est qui allait tout de suite empêcher, quelle que soit la viabilisation à stade, tout le monde est à son homologation, à l'instar à stade Tata Raphaël. Aujourd'hui, nous avons un stade Tata Raphaël qui est viable. Mais l'homologation posera toujours problème puisque vous avez des stations-service de part et d'autre, vous avez un supermarché, déjà stations-service, vous savez tout ce qui va avec en termes de risques et tout ça. Donc heureusement, le ministre du Sport, Didier Boudimbou, a tapé qui vraiment le point sur la table, il n'y a pas question, niet, il a mis fin à ça. N'a pas force négative ou il n'a qu'à intervenir justement pour nous contrarier. Non, il avait dit, il ne cède pas à toute menace. Aujourd'hui, nous sommes en dehors, il y a une menace, on est sur le stade des martyrs aujourd'hui, franchement. C'est ces bijoux-là qui fait l'honneur de Congolais. On a vu aux allées très proche ministre Nabiso ya sport, Napesi Mbote Mingi, Pomiso Toa Batalozi, toujours Popé Sarambote, respect Nabakondi. Du Kamboya visite RDC Wana.
tosuki nango wapi bo badu so lobi to copier kaka bapaya to copier ba voisin o penza ese o ba voisin wana otolinga ka penza 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 mingi 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 te biso mo to yebi musala ka ko copier bango to komi wapi ne loko ngwa non d'abord exact question ya copité la question au copier te puisque nous avons de quoi revendre l'image de notre pays qui a été ternie à la suite du temps. Beaucoup de gens, quand on parle de la RDC à l'extérieur du pays, je pense que l'image il y a peuple Moko en voie de dislocation, en voie de une espèce en disparition. L'image est très mauvaise. Je pense que dans la procédure, il y a pour faire rayonner Mboka na biso, on ne va pas s'extraire na démarche Songolo puisque l'autre avait fait. Non, nous sommes dans un concert des nations, tout le monde a sa politique. Nous avons également aussi notre politique. Je pense que ce n'est pas une imitation. Et l'évolution, je crois, je ne vais pas mettre un mot à cela. Donc, ceux qui l'ont commencé, ceux qui ont la tribu par rapport à la démarche Wana, lorsque ça aura abouti, ils rendront compte. Ils rendront compte. Merci. Papa Nangaï, tout qui est non social. Les cambos yo bakondi bazui pour na ko alléger moi embouteillage na moni ndeko nanga Steve Mboui na PC Mbote mingi alobi na boulevard du 30 juin à quoi bon alobi ezo sale loko moko te est-ce que pour na yo penza est-ce que ça qui esa mesure moko malamu pour na ko alléger embouteillage pour batumi balobi il faut ndeto tonga ba route secondaire tout ça la makamusu mais oyo balobi ezo simba penza penza te ya solo wana mais nous devons le dire maman Paulette ce sont des mesures si elles sont nécessaires, mais elles ne sont pas suffisantes. Puisque ce sont des conséquences. Mais je crois que pour régler les problèmes, on règle les causes et non les conséquences. Lorsque nous sommes arrivés dans la période, il y a une élection, il y a un gouverneur, il y a un candidat qui a été tout le monde a une habitude, tout ça, il y a un candidat à Mutusongolo, candidat à autorité morale, Songolo. Non. Chaque candidat devait avoir une idée de ce qu'il doit faire. Puisque lorsqu'on vient, on s'est dit NASA candidat, ça veut dire qu'on doit avoir constaté. Tant que constaté, ça veut dire qu'on a une vision, il y a changement, il y a transformation. Il y a une politique, non, il y a une politique, il y a une politique. Encore que NASA soutient la Mutusongolo Pakala. La finalité, c'est que depuis Mundele Akenda, depuis Belge, la ville de Kinshasa, toujours connaître le problème, il y a promiscuité, puisqu'il bat mieux sur Bazan à point moko. Plus de 60% de la ville de Kinshasa, ils en ont inoccupé. Ok, à côté de Maloukou et tout ça, toujours s'entassé côté Moko. Alors, on a qu'on s'entassé côté Moko, il y a problème, il y a érosion, ils ont se créé. Bandila, ils ont oumélaté. Quoi qu'ils osent à la créer, mais fréquentation, ils ont tellement ma casse que, et qu'on oumélaté. Alors, le plus important, c'était d'abord le plan, il y a gestion urbaine, il y a gouverneur. Est-ce qu'en postulant, ceux qui l'ont soutenu, je suis de la famille politique du chef de l'État, mais je crois que ce n'est pas une aliénation, la vérité reste la vérité. Quand ça ne marche pas dans le secteur Mokofoto Lobango, est-ce que lorsqu'on portait sa candidature, puisque responsabilité, on a Isa Atambalama côté chef de l'État, puisqu'il ne nomme pas le gouverneur, lorsque ceux qui l'ont soutenu l'ont fait, avait-il une vision par rapport à la ville de Kinshasa? C'était laquelle? Aujourd'hui, Kinshasa, après chaque Mboula, Ezo Dinda. Aujourd'hui, Bantila, Ezate, Napesi, Koza va promiscuité. Mais d'autres espaces, comment nous allons exploiter, puisque nous savons que ce qui crée l'agglomération, c'est la route. Est-ce que Bandila, il faut pas ça la Bandila à point moko, alors que nous avons déjà des problèmes, il y a entassement, il y a population à point wana. Pourquoi ne pas procéder à l'étalement urbain? L'étalement urbain sous-tend le principe de la gentrification. Gentrification, ça veut dire que ils ont un mécanisme moko oyo, autorité a créé pour pousser la population à aller découvrir d'autres espaces. Par exemple, Batuya, espace où tout ça, oui, Bandal, Kitambou, Mongafula et tout ça. Qu'est-ce qui va les motiver à aller acheter des parcelles à Maloukou, aller habiter là-bas? Il faut d'abord créer une infrastructure de base où il peut permettre Bango, base à mesure Yakoufanakuna, sans qu'il y ait na Tongo, tout dans un déplacement vers un seul centre. Donc, c'est ça le problème. Aussi longtemps que cela n'est pas résolu et que, à la base, aussi longtemps qu'il n'y a pas une politique pour arriver à cela, je crois que tout ce qu'il est en train de faire là, c'est du folklore. Parce que, et quoi aboutir, n'est-ce pas, monter. Maman Paulette qui moutou, Anna Moutouka. C'est vrai que nous disons tout, Anna Moutouka. Christina Kimbembe, Anna Moutouka. Maintenant, vous trouvez ce son dans ma PC, moi, 10 fois, et l'autre, elle bosse au Kanissa, et ça moutou. Bah, il est stepé, sauf un angobiso. Voilà. C'est quoi le quoi aboutir, son gars, Anna Moutouka. Na mon nom, mesure, je suis en train de me dire, je suis en train de me dire, maintenant, je suis en train de me dire, c'est scandaleux. Je crois que l'État devait plutôt résoudre la cause, ça veut dire
créer les infrastructures. La chose la plus simple, c'est de prendre la mesure de construire les infrastructures de base et puis à quoi étendre un milieu où ils ont inoccupé de manière à ce que population a s'entassé quand on a quoi mon côté, mais à qui ne peut découvrir l'espace et ce qui sert au Fanda, et nous aurons une ville homogène, Batouba au Fanda, Nabiti Gagnos. Tous ceux qui sont dans le stade, Motomoko, à Koumeninga, Lobby, est-ce que vous avez annulé l'activité, nous sommes dans le stade de Marty Poani? Après activité concert, il y a pasteur Mike Kalambay, Bissoyon Sotoué, Binini Komaki. Alors, à la base, il y a événement, il y avait notamment problème, il y a sécurité. Or, normalement, Bissotosa, comité de gestion, encore que lorsque nous sommes arrivés, on avait trouvé que le contrat était signé une année avant nous. Et contrat n'est pas qu'il n'a pas failli bêler. D'ailleurs, heureusement que lorsque nous sommes arrivés avec le génie créatif, il y a comité où ils ont impulsé par l'AG d'Adou et També, tout ajouter dans le contrat, on a un avenant pour spécifier les éléments où il manque à qui. Notamment, il fallait qu'il producteur à mettre à disposition bah, des fribulateurs. Acha ambulance parce que là tout ça qui a dans la tête fixé ceux qui va défibrillateur ils avaient une gamme dans la bango au moni il y avait ambulance à qui t'es on est à qui ce qu'on a la charge il y a locataire voilà les acteurs à la charge à locataire et puis à assurer sécurité il y a batouné de baboya donc bah exact c'est acteur belé mais bah qui n'a qui beaucoup plus dans option il y a concurrence il y a bah plein il y a bah plein alors à la temps où ils ont créé bah liwa il y a batou les autorités ont levé la mesure en attendant que le stade est rassemblé par mesure nyonso. La sécurité, par exemple, la clôture ou on a élevé en a hauteur et qui permettre que tout le monde escalade d'une certaine manière, renforcement la mesure sécuritaire nyonso, viabilisation à tous les niveaux, ne va permettre production et activité socio-culturelle. Pour autant que cela n'est pas totalement fait et que nous sommes en train d'arriver à cela lentement mais sûrement, tu as besoin de les activités socio-culturelles jusqu'à preuve du contraire sont suspendues. Le stade des martyrs et pour le moment, même d'ailleurs, les stades nationaux sont pour le moment les endroits et activités sportives. Ok, merci d'éclairage. On a beau que le gomoué gobet à matin dans le stade des martyrs et ça dit nous sommes suspendus. N'a eu pas n'a eu comme on appelle à papa la biseau mouko samba kaka na côté social et si biseau taux déflation et allait maîtriser malou. Il y a seul au pensant, bien sûr, oui. C'est l'un des exploits. Il y a gouvernement soumis, non, ça va faire. À peu près 3 mois. Ils ont bougé, hein? Le taux est stable. Le taux est stable. Mais je pense qu'à la suite, il y a tant. Stabilité où le fosco est engendré, conséquences sur le plan social. Déjà, vous avez vu que ce qui est fait est bien avec les ministres de l'économie, bien sûr aussi le gouvernement. Déjà, réduction, il y a prix à carburant. Et ça, quelque chose de très important. Où les conséquences, normalement, il faut aller sur le prix de biens. Pourquoi sur le prix des biens? Puisqu'il y a détermination, il y a prix des ventes. Il y a les coûts de revient. Coûts de revient, dans Katinango, un élément influent est à transport. Alors, lorsqu'on baisse le prix de transport, comme la demande du transport est indirecte, ça veut dire qu'on demande le transport pour un bus, on a qui est loco, on a qui est au kambusongolo, prix nango, on a et au côté, on a bien, on a prix à vente, il y a bien, ou bimé la kokende. Donc, ça veut dire que lorsque le carburant, prix nango kiti, il faut automatiquement prix à transport équita. Conséquence, c'est aux alakeba prix à badan répé. Et Kokita. Donc pour le moment, la politique publique appliquée déjà par le gouvernement pour la stabilisation du social est en train de réussir. Tout côté na la justice, na domaine mounene, na côté de penza tant le baba dossier zalé belé. Na autre côté, pas Christophe Rigaud, MC Bisso, il y aura bel et bien un procès de l'ancien chef rebelle du RCD Roger Lumbal à Paris en 2025. Il est accusé de complicité de crimes contre l'humanité commis au Congo entre 2002 et 2003. Donc, Roger Lumbala, à vous en a jugé. Tozui, Papa Nabiso, Nicolas Kazadi, Yazali Blanchi, José Wana, donc, et Tikali, et Forage, Naba Lampadère, et Tikali, et Batomoussousou. Tozui, Abiso, Lokala, Azali, na justice. Pe Tozui, dossier, à cette Kikunipe, Azali, na justice. Ce qu'on a, Zoma Kanisi, Aba Namboka, pour Constant Moutamba, ou Tiko Sala, Azo Sala, État Général, Justice, Namboula, oui. Est-ce que la justice est réellement malade? Est-ce que la justice a fonctionné bien? Est-ce qu'il y a un dossier où la justice est capable de faire? Pour moi, je ne sais pas si Nicolas Kazadi blanchi, pourquoi bien que ça qui est mission, mon n'est pas justifié. Mais il y a un
Toyoki papa Vital Kamerhe na Assemblée nationale a lobi ba dépassement de kaki mingi ba miloko ebemaki mingi na tango batangi loi budgétaire na makambo le kaki année passée. Na inazo makanisi ya elite ya mboka nanga par rapport ya justice ya mboka na biso. Maman Paulette. D'abord le loto lo la justice est malade, tu dis que ça terme employé par le magistrat suprême, le chef de l'État. Et ça prête à confusion assez souvent lorsque les gens veulent interpréter ça, parce qu'ils n'ont un sens que lui-même reconnaît que la justice ne marche pas. J'ai plusieurs fois répété que lorsque Tshisekedi dit la justice est malade, c'est justement quelqu'un qui n'est pas dans une politique, il y a triomphalisme, qui veut voir la justice atteindre une certaine stature, mais qui ne veut pas se contenter d'une avancée, d'une évolution, puisque le combat qu'il a porté au pouvoir, c'est le combat, il y a jalonnement, il y a état de droit. Alors, état de droit, c'est un état où règne effectivement la justice, ou même encore la justice est plus efficace que tout. Alors, pour autant que cela est en train d'arriver à pas de tortue, mais que nous devons reconnaître aussi que, totikalina statu côté, totélémestikamon côté, le chef de l'État se trouve insatisfait. Il est insatisfait par le système de fonctionnement. Il y a justice, Nabiso Oezoa, qui est habitude par le passé. Il y a qu'on s'est laissé influencer par la politique. Alors, puisque lui veut apporter un changement, une transformation, Naba animateur et à justice, là, il est toujours en train de faire pression à travers parole naïe à préférer, ou même encore mot naïe à préférer ou qualifier, en gros, la justice est malade. Mais tout en étant malade, au moins état généraux, il y a juste salam avec le ministre d'État, le ministre de Justice, pour créer possibilité, il y a pour rendre malade justice. Donc, notre justice qui est malade, pour considérer le roi patient, ou les singeli qu'on guérir. Mais tout en cherchant sa guérison, il y a quand même des choses autocotiques et les cabouettes. Moi, en tant qu'économiste, je pense que le combat que nous avons aujourd'hui, le chef de l'État déjà sur le plan social a posé ma action et belé. Mais les choses ont un impact dans l'entendement des Congolais, puisqu'ils te diront, tu as un côté. Tongi Bandela, maman, pour les tous autant, il y a des raccourcis. Nabi a modernisé KT, mais il a créé des routes. Au moins, il n'y a pas de côté, il n'y a pas de côté. Des routes créées, c'est vrai, il se pose un problème de communication, mais Bandela a créé ces belés. Mais impact sur le plan social, à travers la politique publique ou directement la population à ressentir en panier de la ménagère. L'une des causes est la maîtrise du taux d'inflation. Pourquoi nous arrivons difficilement à maîtriser le taux d'inflation? Parce que, quand on a un dépassement budgétaire ou salam. Puisque la monnaie dans une économie, c'est comme le sang dans les corps humains. Alors, détermination, il y a circulation, il y a monnaie, c'est-à-dire la masse monétaire, c'est fait au moment où il y a budget. N'est-ce pas? Faut un budget. Donc, le budget détermine la masse monétaire qui circulera dans une économie n'a pas déterminé. Alors, lorsque toujours qu'il y a un dépassement budgétaire, c'est-à-dire que dans un, tous les objectifs, mon côté, ils ont défini, c'est-à-dire politique budgétaire, politique monétaire, exactement. Alors, le fait, en politique monétaire, tous les gens ont une priorité, tous les gens ont une priorité. Tous les gens ont la ministre de la Finance, qui a. Pourquoi ma PC est bon, nous salons les gens qui ont ça, la PC, ceux qui ont combien de millions de francs congolais. Mais puisque. Le problème derrière, c'est quoi? Na décaissement, ils sont. Ordonnateur, commissionnaire. Nous avons le ministère de la Finance, c'est comme la COP, on a DTO. DTO. Donc, si on a vu COP à DTO, on décaisse tout de suite. Cette fois-là, on ne tient pas compte, il y a priorité. La priorité devient DTO. Est-ce que Penza Mbongo Bapesi, papa Nabiso, dans un contre le Ngakoïté, mais est-ce que structure n'aïe, et ça Penza, et ça la Kassoum, ça la. Est-ce que la structure n'a pas été opportune à l'élo? Ni n'y a pas de ministère qui est bon, mais il n'y a pas de conseil. Surtout qu'il y a un entendement avec la structure n'a pas. Et comment on a dit ça? Crise. C'est ça. C'est ça. Il y a crise. Il y a avant élection, tant que dans le centre interdiocésain, tout ça, il y a élection, l'étoile de l'institution issue des élections. Cette structure-là continue à fonctionner en tant que quoi? Et encore là, je pose la question, puisque récemment, il a été cité, Naba Makambuya, ma complicité, na M23, c'est vrai. Il fallait tout le monde en intéresse qu'il y ait interpellation, ça n'a pas été fait. Je ne sais pas si ce sont des accusations ou n'importe qui peut accuser de n'importe quelle manière et puis ça passe comme ça. Bien sûr, c'est là que les chefs d'État parlent aussi sur la crédibilité des pères des familles.
Parce que ceux qui, effectivement, une accusation comme ça était arrivée, ne serait-ce que l'entendre pour voir si c'était vrai ou pas. Maintenant, l'équipe, maintenant, et que nous ne savons pas, l'État cautionne ça, c'était vrai, c'était faux. Dans l'entretien, il y a des gens qui gardent dans leur tête que c'est quelqu'un qui a la complicité avec les ennemis. Et l'équipe, la justice n'a rien fait par rapport à ça. C'est la maladie dont parle le chef de l'État. Alors, toujours, il y a un mouton, il y a un décaissement. Dépassement budgétaire. Maintenant, je me pose la question lorsque la justice. Bon, c'est vrai, je dois m'incliner à la décision de la justice. Mais chaque fois, est-ce qu'il faudrait que ma décision de la justice soit dans le doute Nango? Parce qu'on crée doute. Et crée doute puisque le procès sans jour éthique, ça a laissé le goût de l'inachevé. Mais nous avons quand même vu que les acteurs ont été promus à un certain niveau. Et là, nous sommes en train de nous poser beaucoup de questions autour. Mais il y a une pédagogie dans la justice. Lorsque la justice n'arrive pas effectivement à dire le droit, dans l'entretemps, ça encourage les autres à faire ce que les autres avaient fait. Ça encourage Oyo, Tikali, Salamabe, Obaninga, Basalaki, pour autant que bon, Basalaki, Ango, mais couverture politique et l'équipe justice dans ma case. Lélo, dossier à ministre, ex-ministre de la Finance, il a rendu. Nous nous posons la question, les co-accusés, Tikali, mais comment l'ordonnateur, le numéro 1 dans les secteurs, il est asa jugé blanchi asa naïe dans les sous mon côté n'a lingi vraiment que aux amis quand beaucoup accusés mutusongolo tout pas calaté. On doit encore en appeler à la conscience des animateurs de la justice. Est-ce que le travail qu'ils font, ils ont la crédibilité, pour la crédibilité na bango, ils accompagnent le pays ou pas? Parce que maintenant là, ça risque de donner l'impression que la justice est en train de rendre l'âme. Ce qui n'est pas bien pour l'ambition que nous avons de construire un état des droits. Ça donne vraiment une très mauvaise image. Donc voilà. État généraux, Autant vous évoquez Kayandeko Seth Kikuni, je pense que Ndeko Seth Kikuni doit répondre de ses actes parce que la déclaration qu'il a fait faite dans un pays où il y a déjà des problèmes, tout le monde a tension, c'est un pays post-conflit, vous tenez des discours beaucoup séparatistes en tant qu'acteur politique. Je ne sais pas, il voulait impressionner qui, il voulait imiter qui, pour plaire à qui, je ne sais pas. À un moment donné, lorsque nous sommes à l'opposition, Jean-Bertrand Iwanga fut condamné pour le même propos, souvenez-vous. À partir d'un meeting, Moïse Salamara dans Saint-Thérèse, il a été condamné. Alors pourquoi on condamnerait l'un, mais l'autre on ne le condamnera pas, alors que ce qui n'a pas propos, lui a tenu des propos plus graves que Iwanga. Donc je pense, ça sera vraiment, la justice sera dite si monsieur Seth Kikuni devra répondre et jusqu'au bout, devra purger peine naïe. La République contre Jakinda. Est-ce que Jakinda là faut tes alliés aller moto mosu soit lobby bah ça la kinga ibu yaye a confirmé pourquoi l'État azako kangisa eli sous soit lingia ayoka eli sous mais moto mosu soit lobby tu en as bah kanga qui paye non. Il n'est pas fait à Kokanga. Ce que place ni Ndeko Jakinda là a bien mis fautif. Ça c'est moi, je suis pas juriste. Oui, oui. Lorsque Jakinda là fut libéré, il avait parlé. À Salaka, nous avons ses propos. Il a reconnu que tout était bien et donc a accusé et le côté. Il a fait croire à l'opinion que Nyon se l'équipe malam. Il était libre de dire tout ce qu'il pouvait, mais il ne l'avait pas dit. Mais si je ne peux pas le dire maintenant, pourquoi je le dirai demain? Mais pas Moutoumoussou a confirmé. Non, mais Moutoumoussou a confirmé Wana. Sur base de quel. Parce qu'aujourd'hui, Ndeko Jakinda avait dit, il avait affirmé qu'il avait les éléments probants. Moutoumoussou qui était quand même élément. Lorsqu'il est passé aux aveux dire que moi j'ai été victime de ce que l'autre avait dit. Donc ça veut dire que dans la procédure judiciaire, il faut le confronter, mais à toi, puisque c'est toi qui as confirmé. Elle a dit. Mais puisque toi, tu veux confirmer, donc il faut y en avoir. Ou à l'Obiana, nous ne savons pas pour qui elle joue. Nous ne savons pas. Jusqu'à aujourd'hui, je me pose la question. Elle est en train de citer le nom du chef de l'État dans ses bêtises pour salir le chef de l'État. Elle n'est pas un élément qui accompagne les régimes. C'est faux. Elle n'est pas folle. J'ai dit, maman, il faut être intellectuel pour comprendre la démarche de cette dame. Vous ne pouvez pas prôner le tribalisme, insulter les femmes d'une quelconque province, injurier les responsables des familles et des partis politiques au nom du chef de l'État. Ça n'a pas de sens.
le clameur de l'État qui m'a cassé en moi, on dit qu'il y a l'objet. Vraiment, il y a question à clameur que lorsque la justice. Hein? La justice a sa procédure. Okay. Lorsque la justice commence sa démarche, vous et moi ne savons pas. Okay. Ici, nous étions à Kaya, flagrance. Elle a tenu un propos. Mais nous ne savons pas pourquoi elle avait tenu. J'ai donné les motivations ici. Peut-être qu'elle est en train de travailler pour une officine politique. Mm. Mais lorsque toi, tu as été libéré, tu ne l'avais pas dit. On tombait dans le piège naïe. Le col a affirmé cette fois-ci la preuve t'incombe. Ok. Et bon, on prend un local. Je ne sais pas, Patrick Lokala, implication a par rapport à responsabilité, j'ignore. Okay. Mais je pense que ce n'est pas la première fois que Patrick Lokala soit interpellé par la justice. Et pour moi, je plaide. Je plaide vraiment puisque la presse devait avoir quand même son espace de liberté. Ce qui est dans le domaine professionnel, il y a presse, il faudrait bien sûr que apprécier Angona Ndengwana. Mais beaucoup plus influence politique est à la netté Nakatia. Procédure judiciaire. Mm-hmm. Là, nous sommes, moi, je ne peux jamais, et je le dis ici, je n'accompagnerai jamais toute démarche politique visant à inféoder l'appareil judiciaire. Pas question. Je me suis battu dans ce pays derrière Etienne Tshisekedi pour ça. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais m'incliner devant ça, si ce régime et que c'est vertueux, que ça, la haute télé, mais la kinga na haute télé. Tosongi la source. Olobi, donc, et l'okwane titienga mkolobi, selon yo, Maman Ouazan Aboloko, Azaki peut-être que ça l'a pour certains officiers. Ah ben oui. Ah bon. Ses propos sont clairs. Ma propos n'a été clair. Régime Nabissou Abalouba. Non. Ah. Régime Abanani Abalouba. Quand un président de la République est élu, il est président de tous les Congolais. Il prête serment en tant que tel. Mais comment toi tu sors de quelque part? Tu es en train de tenir des propos en citant le chef de l'État, comme quoi aux approches Naïe, communicatrices Naïe, je ne sais pas nommer par qui. Et puis, aux autres, tenir ma propos, aux autres, dernière image, il y a pouvoir et puis il y a chef de l'État. Elle, je l'affirme, au regard de ce propos-là, je l'affirme. Elle était candidate députée, candidate gouverneur. Comment vous l'avez laissé passer? Non, candidate, c'est la CENI, Commission électorale nationale indépendante. Ce sont les affaires de la CENI. Okay. Faut poser la question à la CENI. Elle a été candidate, mais elle a aussi échoué. Mais elle est belge. Ce sont des questions qu'il faut poser à la CENI. Mm-hmm. En tout cas, par rapport à la CENI, il y a à manger, à boire. Il y a beaucoup de questions. Oh, nous sommes bien tous là, puisque il y a eu beaucoup de choses. Tout le monde dit que le candidat n'a pas machine à voter et tout ça. On a jamais... C'est vrai, invalider Kibango, mais quand même, il fallait qu'il va interpeller le responsable de la CENI, va répondre en haut. Ça, c'est vraiment une autre paire de manches. Mais je pense que cette dame-là travaille pour les officines politiques. Le cas de Jakindala, monsieur Jakindala a tombé dans le piège, et je pense qu'il en sera victime. Oh, ben le pauvre. Ben oui. Dossier moussou sous les sous les alliés, moi, ma casse à la constitution, pour se effleurer en gros. Est-ce qu'il y a certains articles, oh papa Cédric Moudianto, ou Azalim, élite Yambokananga, à moins qu'il faut pas changer la constitution, il y a nationalité ou des gens au long. Bon, bah, il y a bonjour Salamini, bah, te bele bazar, bazar étranger, et bele kou bazar dans les institutions, bazar partout, bazar étranger. Est-ce qu'il faut tout le bilan de Kambatou, bien nationalité? Est-ce que l'article, il y a souveraineté, il y a souveraineté, c'est que ma terre est coquine. Est-ce que l'article par rapport à la mandature, il y a chef de l'État, papa Kabouya MC Bisso, mon conjoint, ça la 5, Azo ça la 3. Ma m'sou balobite, mon conjoint, Aza Pedza n'a pouvoir militer. Pour Azo Kabolango, on a un premier ministre. Bon, quand ma ta pouvoir, nous se repèse, pour Bisso, t'as un laboratoire, ni Kamoto, t'as la maman sous minuité, t'as la président. Est-ce que l'article est sous selon yo, ils allaient à Kobo, voilà, tout le monde, kaka. Non maman, au moins il faut te dire que tout changer constitution. Mm. D'abord, constitution est un sujet. Nalani Koutou, un professeur, malheureusement, professeur d'université, professeur il y a droit public, un constitutionnaliste, qui déjà n'a propos naïa Zoloba sur le plan scientifique. La constitution n'a approche n'ango scientifique. Non, la constitution n'a pas d'approche scientifique. La constitution est déjà un outil politique. Quand il dit approche nango scientifique, je ne sais pas ce qu'il voulait dire par là. Maintenant, constitution, nion sur le monde, est un sujet d'un principe, il y a mimétisme. N'est-ce pas? Il y a mimétisme. Okay. Ce qui fait que il y a un élément où il faut s'adapter à la réalité culturelle. Nous parlons de la réalité culturelle, nous parlons de la réalité politique et de la dynamique du temps. Par rapport à la constitution, nous avons notre réalité à nous. Nazune d'Akissa, maman, pour nous répondre à la question à changement. Okay. Quand on a vu le principe de mimétisme, ça veut dire même si nous changeons la constitution, compte tenu du fait que c'est un principe de mimétisme, et ça sous-bassement, il y aura des articles où vous en avez touché.
On ne changera jamais tout. Peut-être changement est qu'aux alaki article 7 et comme article 9 et article 15 et comme article 18 et ainsi de suite, mais ça dira la même chose. Comme pour dire que il y a la réforme constitutionnelle, moi j'aime parler de la révision totale. La révision totale, à mon sens, est la révision, il y a plusieurs articles, une majorité d'articles, mais en même temps, ma révision totale, toujours à l'appel aspect à innovation. Il y a des articles que nous devons élaguer, okay. Il y a des articles que nous devons ajouter. Et l'effet à deux mouvements, wana, ils ont justifié le changement de la Constitution. Et le changement de la Constitution, entendement nanga, ils ont impliqué une modification au salama par rapport à l'article verrouillé. Article 220, disposition est verrouillée dans l'article 220. Au lobby du Kambouya, mandat à chef de l'État. Mandat à chef de l'État, oui, bien sûr. Nakati a mandat à chef de l'État. Moi, je me réserve, et d'ailleurs, je ne pense pas que je puisse parler en termes, il y a nombre. Il y a année, parce que moi, à mon avis, même si on réduisait les mandats du chef de l'État à 2 ans, le plus important, c'est qu'il soit effectivement responsable de son action et qu'il soit rédévable devant la population. Mais ce qui est ok dans la constitution, la mission, boulou et kezali, maman anglaï. Boulou et kezali, niveau nini. Maman Paulette Kimoutou, je vous l'ai dit ici une fois, moi j'ai commencé à vous suivre, j'étais élève. Non, t'as là, on a TKM. Naba Gisèle et Mungu et tout ça. J'étais encore élève, mais j'appréciais la qualité à débat à ce niveau-là. Moi, la première fois que j'ai été reçu ici, je me suis dit, en tout cas, j'ai atteint mon rêve puisque je suis reçu par une personne que j'appréciais. Mais avec toute l'intelligence que vous avez dégagée dans la durée, croyez-vous que vous ne pouvez pas occuper des hautes responsabilités dans ce pays? Vous les méritez vraiment? Au cause à la première ministre, au cause à la présidence Sénat, au cause à la présidence Assemblée nationale. En tout cas, il y a une limite. Limite est à un niveau. Il y a une limite. Il y a une sous-tendre vitalité à la démocratie. Il y a obligé de la actrice politique. Il y a obligé de appartenir à la lingua politique songolo pour exprimer ma yélé. Nous avons une constitution et le but que si Mayabokonami est chef de l'État, Azo désigné un formateur. Tant qu'on désigné un formateur, celui-ci doit identifier la majorité. Donc, Azo consulté Kakaba élément où il constitue majorité, bah, député. N'est-ce pas? Tant qu'on consulté Bango, un président public a nommé premier ministre Nakati à majorité. Wana. Maman, est-ce que bah, Congolais n'y ont pas appartenu à la majorité? Non. Est-ce que bah, au bas de la majorité, l'équipe Congolais sont maillé? Non. Et pourtant, la même constitution dit. Tous les Congolais sont égaux devant la loi. Ça veut dire la constitution est déjà une constitution d'exclusion et de contradiction. Elle veut une chose, l'égalité, et elle fait une autre, ça veut dire la sélection. C'est vrai que tout le monde ne peut pas devenir ministre, mais ça ne doit pas être l'effet de la loi, ça doit être l'effet de la conviction. Mais ici, maintenant, la loi a une restriction. Il faut appartenir. Nous avons ma tata Pogno, expert qu'il était, nommé premier ministre, il doit devenir membre du PPRD. Aujourd'hui, soumis, pourquoi ils doivent devenir membres des partis? C'est pour se conformer à une disposition. C'est déjà un problème. La formation du gouvernement. Combien de Congolais sont intelligents? Mais qui, par conviction personnelle ou même encore peut-être religieuse, ne peuvent pas être acteurs politiques, mais qui sont prédisposés à accompagner le pays, soit en étant membre du gouvernement ou à travers dans les institutions, notamment dans l'entreprise publique. Mais tout le monde a besoin de Kaboul, il y a un poste, il y a une entreprise publique, il y a une majorité de l'Église au Salama. Gouvernement que ça la macaque n'a pas élément au réseau constitué majorité au point même que critère il y a coutume d'un 3 noms coutume d'un 3 noms ils ont accepté les petits pouvoirs d'un chef de l'État parce que 3 noms on a ils ont d'abord la volonté n'a intérêt il y a pas président d'un parti politique ce qui fait que les 3 personnes là sont d'abord redevables n'a président d'un parti politique au premier degré et n'a mon cas au second degré ça occasionne le détournement et la corruption puisqu'il y a à Rolanda consigne ma pièce qui est à la base et favoriser à chaque ma machine à voter pour la constituer la force politique. Mais pour c'est le fait de la loi. Donc la loi occasionne une mauvaise gouvernance et une injustice, ça veut dire le séparatisme en soi, inégalité sociale. Maman a dit ça, élément et ça c'est quoi les Kambouya responsabilité à l'acteur politique. Ma redevabilité à la ce sont les mêmes personnes qui refusent. Ma machine à voter pour se constituer en force politique. Le cas échéant est là.
Vital Kamerhe avait été accusé dans un dossier 100 jours. Babini s'y est en prison, c'est vrai, en termes d'image, ça pose un problème sur le plan pédagogique. À quoi ministre de l'économie? Nous savons comment l'économie a fonctionné, c'est vrai, tu audité, mais il fallait quand même que Bassala audite, il y a acteur Nyonso avant de promouvoir. Mais le fait, la force politique, il devient président de l'Assemblée nationale. Vous voyez que les mêmes personnes se maintiennent dans l'État à cause de la force politique où le Bango va se constituer. Le problème de la responsabilité des acteurs, c'est que, au moins, Moutou, Azala Kina, Kabila, a longué facilement à se dédouaner à lui, bilan de Kabila, à Ngate, à commis tshisekediste. Irresponsabilité. Nous avons dit que tous les membres de l'Union sacrée, mais à l'objet, tu peux partager bilan Wanate. Ça veut dire que ce soit un échec ou non, ce n'est pas mon problème. Et pourtant, il y a des ministres là-bas. L'irresponsabilité consacrée par la loi. En plus de ça, la redevabilité du président de la République. En quoi est-ce que le président sera redevable? Parce que la culture n'a pas de soi. Constitution, il faut s'adapter à la culture. Tu es mis que la culture n'a pas de soi. Il y a un chef. Dans ma famille, il y a un chef. Même dans ma parti politique. Ma parti politique, ils ont fonctionné dans le régime présidentiel. Au moment que régime présidentiel, parce que les partis politiques, c'est le président des partis politiques qui nomme les gens et lui qui envoie même ma membre naïe n'a pas responsabilité étatique. Mais à combien le gouvernement a coûté ce régime semi-présidentiel où le président de la République, en quelque sorte, il règne, mais il ne gouverne pas parce que l'action de la gouvernance est portée par la première ministre ou bien le premier ministre. Mais lorsque ça ne marche pas, c'est le président qui doit rendre compte. Ça la rassemble. Il y a le conseil des ministres, Nani Angoua, Kambarango, Mokonzi Amboka. Maman, conseil. Donc, maman, j'ai dit soumis, n'a pas salé l'autre côté sans que Mokonzi aille. Non. Il faut pas solo là. Non, Mokonzi n'a pas salé. Vous avez fait ça, moi, encore. Donc, Mokonzi, Azar Ouate, il est président. Donc, il a un mot à dire de Ronangaï. Mokonzi Azar Ouate. Oui. Il a Azar Ouate, maman, Azar président. La compétence est d'attribution. C'est quoi compétence à mon lorsqu'on parle de la compétence, hein? Elle est d'attribution, mais la constitution, vous la lisez. Lisez les attributions de la première ministre, hein? Du premier ministre. La première ministre était plutôt sonnée, le gars, le régime qui s'est quitté. Non, il faut personnaliser le débat et changer la constitution. Le moment où on a mécanisé, il a battu. Un père de famille, même s'il sait que demain je vais mourir, il doit investir pour ses enfants. Exactement. Ça, je réponds directement à ceux qui disent pourquoi il veut le faire maintenant. Mais il va passer, c'est vrai, mais qu'est-ce qu'il lègue à nos enfants? Qu'est-ce qu'il lègue à sa postérité? Il le fait, sachant qu'il va passer, mais c'est un héritage. Il a ses attributions. Aujourd'hui, Sama Lukonde est parti. Ilunga Ilukam était parti. Ils étaient les porteurs de l'action du gouvernement. C'est eux qui travaillent, c'est vrai, à la vision du chef de l'État, mais qu'est-ce qu'ils font pour atteindre cette vision? Ils définissent la politique publique. Bangonde Bazal, le chef du gouvernement. Le président lui préside le conseil des ministres, mais l'action du gouvernement est portée par le premier ministre. Alors, il est redevable d'une action où le hasard lié dans côté. Nous voulons bien sûr que tout bascule, puisque de toutes les façons, notre culture, déjà, aux hommes, on a Vital Kamerhe à l'Obin, à la jeune Afrique, le chef de l'État a beaucoup fait. Mais c'est sa communication qui pose problème. La communication du chef. Mais lui agit à travers le gouvernement. Pourquoi ne pas dire que la communication du gouvernement? Vous sentez que même dans l'entendement de Vital Kamerhe, il est dans les régimes présidentiels. Martin Fayoul vous dira, je n'ai pas demandé à mes éléments de postuler, mais nous allons bien travailler puisque tu es dans le régime présidentiel. Ça, c'est l'intellectuel Martin Fayoul qui parlait, et non le politique, puisqu'en lui, il raisonne la réalité, c'est-à-dire le régime présidentiel. On doit donner au président tout son pouvoir de manière à ce que, à Kolombola Mikambu, il y a séparatisme abîmé. L'homme a investi, au même moment il a investi, il peut désigner Paulette Kimoutou, premier ministre, il peut désigner n'importe qui ministre, et puis il y a à cause de la maître de l'action, maître de son action et de sa vision, de telle sorte qu'il soit redevable vis-à-vis du peuple à travers le Parlement. Moi, attribution, mon corps, à Google, Nabiswa, le président de la République peut nommer et révoquer les magistrats du siège et du parquet sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Le président de la République exerce le droit de grâce. Il peut remettre, commuer ou réduire les peines. Donc, ça, moi, ma attribution, mon chef d'État. Mais, tout balobi. Mais, à terme, action gouvernementale. Tout n'a pas la bise au moutien. Ah, yo, mon colobiawa, ma valise, na bandako, ba tobanini, ba namboka, bazako, banga, balobi. Référendum, eko sale mataka, na senior yo. C'est normal, mais les gens qui ont acheté les machines à voter, c'était pour assurer leur élection. Mais référendum, peuple à bateau, hasard pour non. Au moins, il est différent. Au moins, pour mon acquis, différent parce que lorsque l'opposition s'est mis à accuser ou bien à contester les résultats, cette fois-ci,
elle n'a pas eu le bénéfice, il y a appui à Senko, puisque la Senko a dit oui, la irrégularité, ça l'a mis. Mais la CENI a invalidé ces candidats-là. Okay. Il est vrai que ces candidats étaient invalidés. Ces candidats qui étaient primés dans les sacs ont été invalidés. Et puis le président de la République a été valablement élu. Victoire Naïk Ezalaki incontestable. Le problème, c'est quoi? Ce n'est pas leur comportement, mais c'est plutôt la sanction. Parce que la CENI avait sanctionné. Aujourd'hui, nous avons des gens qui, pourtant, étaient populaires, tenez que ça va député, Bimate, non pas puisqu'ils n'ont pas été votés, mais puisqu'ils ont voulu pondérer leur vote en achetant la machine à voter, ils se sont trouvés invalidés. C'est ça. Le plus important, c'est que, on va tenter que soit machine à voter pendant qu'on booste volonté à peuple. Et vous allez que la CENI va encadrer. La machine à voter, c'est une géolocalisation. Donc, seuls les bureaux, les centres qui seront reconnus par le serveur central, résultat, dans le monde, vous allez valable. Donc, c'est ça la pédagogie que la CENI nous a enseignée dans la procédure électorale. Oui. Maloba souka toza ko kene manen manen be balobi tourner le biso papa Moutianto question ok direct mais pas papa na biso ministre sport championnat na biso le camp oui biso nyoso to komaka Barça Real bakoma ko senka biso bino nyoso komaka mais toko tipe bango te ndenge nini biso championnat kufa le camboni boni ko zone service pour championnat et ce qui ni na foot ce qui ni babenga ngo pe nini na bosani tellement et salamaka pourquoi ils besoin qu'on se batte et pour tout zonga n'ayez tous à quatre aux champions du Congo et non mais l'inafoot est zongi l'inafoot parce que au moment étant au Barça Real conséquence nous souper à baisse et à régime et à sport n'a bien que même sur le plan national c'est vrai les lobes résultats ils mais demain nous allons décliner puisque nous comptons aujourd'hui qu'il n'a pas élément il y a les bandes parce qu'il y a intérieur tous en anonymité lorsque le ministre Didier Boudoumbou est arrivé. Il a défini son plan. Il y a sport. Au moins, qui d'abord a convoqué la discipline. Au moins, ministre Didier Boudoumbou a ça, l'un des rares ministres à sport, mais ministre omnisport. Ah, il y a qui parle pas le football. Non. Didier Boudoumbou, ce n'est pas le ministre des sports et loisirs. C'est le ministre omnisport. Donc, ministre des sports au pluriel et loisirs, puisque Azo organisé. Au moins, il y a une discipline. Il faut basket avec Kendeli Bosso, il faut mon acquis championnat basket n'a pas de mentir, il faut football avec Kendeli Bosso, il faut judo, karaté, boxe, karaté, tout, tennis de table, ma camion sont. Et le Guinée Zanakati, il met la main puisqu'il veut voir sport avec Kendeli Bosso. Mais, obstacle, ils ont moins mingi, n'a pas qu'un bout de football. Les lois, il a foot, ils ont bêta main. Sur le plan infrastructure, il fait ce qu'il peut. Mais blocage, il y a ça, niveau ni. Ce qui est l'eau, vite à Betiawa. Et puis le bien en fait qu'il est Mazembe dans Lubumbashi. Pendant avion. Non, pas Mazembe. Pas ni bon peu besoin de chicoter Mazembe. Bon, on peut s'en Mazembe bon hôtel. Gabe, et qui m'a montré pas mais c'est bon dim. Gars la bombe à l'angate. Bah le bien besoin négliger Mazembe. Besoin punir Mazembe. Y'a pas si n'engue moko. Y'a mi bal n'engue moko. Bon dim on a le bel directement. Bah biti quand on punir Mazembe. Zé équipe y'a RDC. Zé équipe y'a Katumbite. N'a pas son message. À répondre à une question, j'ai pu vous répondre qu'il n'est pas contre un seul crime. Non, les génies blancs na idée ou en ça deux poids deux mesures. Waneza baba kambat bazo bi misa pona créer moi boulou et kina katia batou. Il n'en est pas question. D'après ça qui exemple Mazembe pona koloba. Donc il se posera aussi un problème il y a la transport. Même soit que fois tu veux ça dit bon ça la rater pona ba circulation avec équipe. Mais ceux qui bon ça la rater. On a bien bon les ali. Mais ceux qui le même jour, il faut quatre clubs et se déplacer dans ma province différente. Moins de déplacements. Problème. Là, je suis en train d'analyser. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la politique sportive, il a détaillé sa vision sportive, mais il y a toute une action gouvernementale qui doit accompagner. Il y a un moment où gouverner mes accords. Il présente la vision, mais il faut maintenant une canalisation. Ce qui tourne à première avion, les sauter. Mais 60 avions, il y a des papas. Tu es dans la interprétation. En tout cas, il y a 60 avions. Je pense que Izalaki lecture, peut-être moi voulu et qui n'a lecture. Non, mais c'est un bon temps. Aïe, on a pour nous tout là. On a pour nous tout là.
ceux qui n'ont pas battu ou basali que Moudian tous les lots ah à la Ouyaza en tout cas de Kouliezer a tangi 30% le beaucoup de la quantité avec beaucoup de respect je les salue là où il est mais je pense que il fallait bien clarifier qu'ils ont un objectif à atteindre. C'est l'objectif à atteindre, l'idéal. Mais l'idéal s'atteint à travers le temps, c'est un processus. Vous voyez donc la mauvaise appréhension. Lumumba disait, les troubles sont l'effet d'une minorité d'agitateurs et d'un immense malentendu. À tout ça, il y a malentendu. Il y avait un malentendu. Il y a eu un malentendu, mais je pense qu'il n'y a pas de, de problème par rapport à ça. Donc la... le réseau pour ma championnat, pour être clair, pour que les gens ils allaient venir visiter RDC. En effet. Donc il faut championner ça. Ouais. Et le réseau pour ma championnat, ils allaient mingi transport. Les nafoutes de Jésus, mais faisons dans la dimension autozaki dans mon cas-là, il y a des choses, beaucoup d'autres choses qui doivent accompagner, notamment le transport. Là, je le suppose, je suis en train d'analyser. Mais je pense qu'à niveau, il y a analyse, il y a vision. Au ministre, il y a sport à tirer en place. Aujourd'hui, les sports congolais, tous les sports, toutes les disciplines sont en train de connaître un coup. Il y a avancement. Et nous allons voir que demain, les sports va requinquer. Ça va devenir d'ailleurs... Pourquoi les Congolais doivent être aussi gentils, aussi bas la balame, tant que ma voisine a dit que bas la balame, tu vas se respecter. Et là, on est niango ici la raté. La RDC est procédurale. Ah, papa, procédure, moi, c'est ma ville, c'est ma localité, c'est ok. Elle est procédurale. Tout ça engagé dans le processus, il y a Luanda. Mais vous respectez, évidemment, au moins, tant que vous avez un problème dans Moutou, et que vous savez qu'il y a au souscriveur qui a des marches, Moko. Tika batu oyo souscrivez qui n'a pas besoin d'un témoin parce que tu n'es pas idiot. À la fin tu sais que tu vas agir, mais tika tes actions n'ont autant pour agir et dans la après accumulation il y a bah faute il y a adversaire. Est-ce que il est vrai ou non que FRDC peut se battre? Oui. Est-ce que la procédure vaut la vie des Congolais? C'est la chose la plus importante. Moi c'est une question que je vous pose. Est-ce que la procédure vaut la vie des Congolais? Nous sommes engagés na processus yako élagué et la protection à vie à ba congolais comme la vie est sacrée, la vie humaine étant sacrée, c'est la consécration y a activité militaire na terrain y a la FRDC. Mais bah FDL Robango ba lobe l'Arabie sur papa Moudian bah FDL Mazaka wa depuis 94 bah FDL Mazaka on tombe dans ce piège là qui est tout le bah FDL maman Paulette, nous avons aujourd'hui la chance d'avoir à la tête du pays honnêtement un diplomate. Félix Tshisekedi c'est un fin diplomate et nous savons comment est-ce que il est aujourd'hui en train de travailler jusqu'à obtenir ce que l'ancien régime n'avait pas obtenu. Tant obtenir qu'il levait d'abord l'embargo et tout ça, c'était grâce à une démarche diplomatique. Oui, c'est de cette manière-là. La Genève, la droite de l'homme, balobi, mais ici, c'est ceux qui sont dans la leçon qu'il y a aux gens là-bas, il y a mon tout est. Bah, ils sont montés respecter la droite de l'homme. Non, mais on a des leçons à recevoir de personnes. Tu t'imagines un peu? Tu respectes la droit de l'homme, mais aujourd'hui, nous avons un régime qui n'est pas accusé dans la matière à droit de l'homme comme ce fut le cas dans le passé. Il n'y a pas la répression politique, il n'y a pas la répression sauvage. Il n'y a pas de répression. Il n'y en a pas. Aujourd'hui, l'opposition vit comme si aujourd'hui l'opposition n'existe pas, c'est justement parce que aucune action ne peut être menée ou bah, quoi, accusée dans un régime qui va réprimer Bissonon. Agissez. Même leurs actions passent à la chaîne nationale. C'est une première. Donc c'est ce qui a même milité, je suppose. Est-ce que tu as obtenu le droit de l'homme? C'est parce qu'aujourd'hui, Tshisekedi a mis la barre très haut en termes de respect, il y a droit de l'homme et liberté civile et politique. C'est quelque chose à féliciter. Donc, les commentaires des gens sont libres, évidemment, mais je pense que les faits restent sacrés. Merci Cédric Mondiantou, merci Ming en tout cas, et ça l'aura bien qu'aux allant émission à Montamaye, et on a bon goût de ça à 100 l'heure. Merci Ningo Ndimi pour les cas, malgré l'embouteillage à Kinshasa, mais on respectait quand même rendez-vous. C'est ce qu'on appelle le respect du travail d'autrui. Merci en tout cas, ça m'a touché profondément. Puisque Moutoubou Soinga, l'émission a tinaté à la zone, mais Cédric a quand même tenu à respecter son rendez-vous, malgré papa, en tout cas, embouteillage. Ambulance parce que hélicoptère c'est bien mais il s'en va évacuer mon tout papa mon tout
Il y a solo, hein. N'entends pas, mais ça, quand on évacue quelqu'un, à quoi matin? À quoi matin? Donc, tout le matin, il y a un ambulance, il y a un hélicoptère. Oui, tout le cas, solution. Bon, s'abonner massivement à la Lyon TV officielle. Plein d'œil à Papa Boudimbo. Papa Boudimbo, il y a un apprécié, ne vous en faites pas, mais côté nous, ça, là, tu as un les génies blancs. Apprécié à la bise Moussala, mais côté Moussala, tu fia ou la rakak. Isaka Moussala, tu founa au sal. Au sal, Moussala n'a sport malam. J'espère que tant qu'on bima bile, qu'on a appelé malam. Toko kouta la bino, balasi. Merci. Ah, Oudim. Oudim,